Touche, bonjour. Bonjour. Alors, vous aimez les animaux ? Ouais, bah, qui n'aime pas les animaux ? Je dis ça, mais il y en a qui n'aiment pas les animaux, c'est vrai. C'est vrai ? Oui, il y a des gens, je pense, qui n'aiment pas les animaux, c'est bien dommage pour eux. Mais on dit que quand on aime les animaux, on aime les hommes. Ça va avec. Normalement, c'est le minimum, ouais. Alors, tout petit, vous étiez entouré d'animaux ? Alors, moi, j'avais une histoire avec un chien qui s'appelait Rex, que j'ai eu de l'âge de 5 ans jusqu'à 8 ans. Et un jour, Rex a disparu et ma maman n'a pas voulu me dire qu'il avait été en fait écrasé. Et pendant 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose qui m'a manqué dans ma vie. Et j'ai une pensée pour lui, quoi. J'ai grandi avec Rex, un beau berger allemand et qui était pour moi très présent dans ma vie, ouais. Et c'était un chat ou un chien ? Un chien. Un chien, d'accord. Un berger allemand. Un berger allemand. Et vous aimez les chats, non ? Je suis allergique aux chats, mais j'adore les chats. Vous êtes très, vous avez fait de la danse, c'est très, très félin. Ben, c'est un des profs de danse qui disait souvent, regarde le chat se déplacer. Et c'est comme ça qu'on peut travailler la technique du danseur, parce que c'est vrai que le chat, c'est très lent, c'est très souple, c'est très sexy, sensuel. Le chat, c'est vraiment un animal fabuleux quand on regarde travailler, se détendre, s'amuser, jouer. C'est hallucinant, ouais. Mais c'est vrai que c'est souvent en regardant un animal comme le chat qu'on peut travailler son corps, ça c'est sûr. Hein. Parce que le chat est un animal vraiment très, très, très souple. Aujourd'hui, vous faites de l'humour, on va dire. Vous seriez capable de faire de l'humour même difficile sur les animaux ou pas du tout, ou c'est tabou ? Non, moi je sais pas, j'ai pas un humour moqueur. Moi, je suis plutôt un humour, on va dire, de situation. Mais par exemple, dans un de mes sketchs, je suis dans mon quartier du 93 et je me fais courser par un gros pitbull. Il y a une vraie histoire entre lui et moi. C'est comme si c'était un homme et un homme. On a vraiment une conversation d'homme et on a un combat. Donc c'est vrai que pour moi, l'animal fait partie vraiment de l'humanité, quoi. C'est pas, on dit pas les animaux. Pour moi, c'est pas les animaux et les humains, c'est l'humanité dont les animaux font partie comme pas une chose. Mais pour moi, l'animal est, en tout cas, les chiens domestiques sont des animaux pour moi importants, quoi. Et dans les banlieues difficiles, l'animal a sa place également. Ouais, alors malheureusement, il a une place un peu bizarre parce qu'il a une place un peu d'animal écroisé et dangereux et un animal d'attaque. Donc ça, c'est un peu ça qui m'embête un peu parce que faut que le chien reste un ami, pas un animal de défense ou une arme de défense. Donc il y a des chiens qui sont très 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 très, très agressifs. Donc effectivement, il faut respecter le fait que l'animal est un animal doux. Aujourd'hui, vous partagez la vie avec un chien, un chat ou pas d'animaux ? Je me déplace beaucoup trop dans ma vie professionnelle et donc je peux pas rester avec un animal parce qu'il faut vraiment s'en occuper. Ça, je pense que dans mon futur, quand je serai un peu plus vieux, un chien sera cool. Un chien ? Ouais, un chien. Moi, j'adore les chiens, moi. Je trouve que c'est un animal qui partage beaucoup avec l'être humain. C'est un vrai ami. On peut vraiment communiquer. Je trouve que le chien, il a une mémoire respectueuse de son ami, de son maître, de son. Je trouve ça assez génial. Vous avez peur en animal, une phobie envers un animal ? Les serpents. Les serpents, c'est pas l'animal. Si j'en sors un, vous partez en courant là ? Je pense que même pas tu l'auras le temps de sortir. C'est de la partie. Et pour terminer la tradition de l'émission, j'ai une petite baguette magique. Et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en animal en regardant la caméra et sans réfléchir, ça serait quel animal et pourquoi ? Voilà, l'aigle. Pourquoi ? Parce que c'est majestueux, c'est grand, c'est un animal qui plane, qui a une vision de la Terre, de la planète et des êtres humains. Je trouve que c'est fabuleux, quoi. Donc un aigle. Un aigle. Cartouche en aigle. Voilà, cartouche en aigle. Et ça fait bien. Merci.